Toute la journée, les pompiers, gendarmes et techniciens ont visité les commerces de Gourette, avec une attention particulière pour la plateforme du Valentin, centre névralgique de la station. Et plus exactement son parking, qui présente des faiblesses. La commission a finalement décidé de le laisser ouvert, à condition que des travaux d'étaiement soient mis en place au 15 février. Les constats des services, des préventionnistes et de l'ensemble des services techniques, au regard du bâtiment et de la solidité, l'histoire du bâtiment qui a été construit en 1967. Et depuis 1967, effectivement, c'est un bâtiment qui perdure, mais sans vraiment travaux de consolidation et qui sont aujourd'hui nécessaires pour maintenir ce bâtiment en bon état et assurer la sécurité de nos concitoyens. La plateforme du Valentin, c'est 1300 copropriétaires, une multitude de syndics, le département et la mairie des Aubonnes. Au cœur du problème, le financement des travaux. Mais pour le maire, les responsabilités sont claires. Qui va payer ? Les payeurs sont les propriétaires. Pour vous, c'est clair ? Pour moi, c'est clair. Et pourtant, on a l'impression que c'est pas si clair que ça. Pour nous, ça sera clair, quoi. C'est que chacun paye chez soi. Des travaux colossaux devraient être entrepris après la saison d'hiver. D'ici là, si les parties ne se mettent pas d'accord, les 1200 places de parking pourraient être inaccessibles au 15 février.